Eh bien, bonjour à tous, c'est Castilix et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe. Et eh oui, on se retrouve sur Warframe parce qu'on m'a demandé de faire voir. Voilà, donc Ordis, il a toujours envie de parler. Quand je commence à parler, il est très gentil, Ordis, mais un jour je vais le démonter, je vais le mettre en pièces détachées et je vais vendre ses boulons sur eBay. Bref, donc du coup, voilà, on se retrouve sur Warframe pour vous présenter le build de du Alkama. C'est un build qui m'a été demandé puisque bon, bah, ce sont de très bonnes armes de mêlée aussi. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait de build et beaucoup aussi aimeraient savoir un petit peu comment j'ai fait. Donc Vauban, avant de le faire vomir à monter et descendre, on va aller voir de suite comment ça se passe. Alors je n'ai pas trop retouché ce build puisque je ne jouais plus avec actuellement. Mais bon, le build est quand même voilà, c'est celui-là que j'avais. Bon, si j'ai changé un ou deux modes, mais c'est tout. Donc, du coup, on commencera avec. Alors, déjà, trois formats. Avec serpent croisé. Point de pression bord dentelé, puisqu'on est quand même sur du tranchant à la base. De la furie. On prendra dégâts de feu. Dégâts de froid. Frappe déchirante, évidemment, qui nous augmente le tranchant, mais bon, ça nous augmente aussi un peu la perforation. On aura la frappe de fièvre et le vent du nord. Donc du coup ça nous fait à peu près des stats comme ça. Donc niveau d'une attaque tournoyante, on est à 2800. Attaque murale, 1800 des brouettes. On est vraiment plutôt pas mal. Donc le statut, vous voyez qu'il est très bas. Même en augmentant les pourcentages de statut. Donc c'est un peu dommage, c'est ça qui est un peu bête comment dire, sur ces armes. Par contre, bon, voilà, on peut augmenter, je pense, un peu plus que ça. Mais bon, on reste en explosif, avec du poison. Après, on reste sur le tranchant aussi. Et voilà, ça suffira. Hein. On ne pourra pas faire non plus un build complètement pété. Mais elle reste vraiment très très correcte. Donc, du coup, eh ben, pour les tester, on va faire comme d'habitude. On va sur Iris, Xini. Et là, on va décoiner. Donc c'est vrai que si vous voulez aller aussi un peu vite et que vous tournoyez un peu en l'air, vous allez voir que vous allez très très vite. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Sinon, ben, voilà, ça reste de très bonnes armes de mêlée, mais c'est vrai que quand on a fait les Cronen juste là, il y a récemment, il n'y a pas photo quoi. Donc là voilà, le temps que ça charge, j'espère que ça va pas mettre 3 heures. Allez, mes petites... Oh là. Bonjour. Alors voilà, hop, ça se passe comme ça chez McDonald's, enfin sur Warframe notamment. Hop là. Bonjour, c'est Castilix. Elle lui laisse dire. Bon, en plus il y a un deuxième Vauban. Ouais. Salut. Salut l'ami, je voudrais te dire bonjour. Non mais j'ai pas envie de monter. Ah, je suis un dingue. Donc voilà, hein, ce sont les techniques du Vauban, c'est on fout un vortex, on aspire tout, et voilà. Et le mec se tue. Alléluia. Allez. Ah là là. Finji quand même. Bonjour. Donc là on va faire le nettoyage. Hein. Hop, voilà. On m'appelle Monsieur Propre, hein. Monsieur Propre des lames. Hop là. Eh oui. Là, il doit se dire, ouf, heureusement que celui-là, ce n'est pas un kéké. Donc bref, on va aller. Il est chaud. Non mais. Ce qui s'appelle décoller, ça. Toi aussi. Alors là, vous osez me taper. Moi, Castier? Tiens. Ah ouais, vous êtes comme ça, mes petits. Voilà. Donc ça tranche quand même bien. Y a pas à chier. Bon là en plus c'est de l'infesté donc. J'adore. Oh oui. Là. Il a une tête sévère là, Vauban. Mais il est mignon, je l'aime bien avec. Avec son pack immortel.
il me fait planter le truc là. Allez, tiens. Allez, allez. Faites-vous plaisir, les amis. Je suis là. Tiens, tiens. Il y en aura pour tout le monde. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis très partageur. Et j'aime bien offrir mes larmes à tout le monde. Voilà. Alors, il est où lui? Hop là, et ben voilà. Oh bah lui, il a pas eu le temps de comprendre. Hein. Il s'est dit, mon Dieu, il arrive. Bref, bon, il est très tôt ce matin, donc je suis assez réveillé. Enfin, je suis réveillé, oui et non. voilà, donc on raconte un petit peu de conneries. Hein. Ça, c'est les conneries du réveil. Allez, l'ancien. L'ancien, je le sens bien. Là. Ah, ben, on sait pas où il est, l'ancien, je crois que... Ah, d'accord. Bon, comme ça, il a tout nettoyé. Hein. Mais vous voyez, si je fais ça, on s'envole avec ces lames là. Tiens. Eh, venez là, je suis là, je suis là, je suis là. Là. Il joue à cache-cache. Allez, tournez manège. Bref. Allez. Hop là. Il est où le dernier? Ah, lui, il tremble de peur. Tel un petit infesté bizarre. Allez. Allez. Je suis désolé, moi j'y vais, les gars. Oh, ils vont peut-être pas apprécier, ils vont se dire, mais non, on revient. Même pas, ils s'en foutent. Totalement. Ils continuent, ils sont dans la relancée. Ils se disent, c'est bon, on va pas se prendre la tête. Alors, bon, voilà. Donc, 88, voilà, comme tout à l'heure. Alors, l'autre qui avait son lance-missile, j'en ai tué plus que ça, plus que lui. Donc, voilà, donc ce petit build est vraiment plutôt correct. Hein. C'est pas le build du siècle, hein, celui-là. Puisque bon, en plus, ça fait un petit moment que je m'étais pas repenché dessus. Mais au moins, voilà. Vous avez quand même un build relativement sympa, sympathique, hein, pour des armes de mêlée. Donc voilà, je vous remets un peu tout ça. Donc, serpent croisé, point de pression, bord dentelé, furie, fil volcanique, gel vicieux. Ah, gel vicieux. J'adore les traductions françaises, c'est énorme. Frappe déchirante, frappe de fièvre, vent du nord. Tout ça avec trois formats, et voilà, ça vous donne des stats comme ça. Et ce sont de très très bonnes armes, c'est vrai que j'apprécie beaucoup les doubles camas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce build vous plaira. Je vous dis à bientôt les amis, c'était Castelix, ciao ciao.